lâcher de ballon à Pantin. Hommage à Christine Renon, la directrice d'école qui s'est suicidée il y a 2 semaines. Plus de 1000 personnes ont participé à une marche blanche ce midi. Elles sont maintenant arrivées dans l'école où elles travaillaient. Un mail de sensibilisation à la radicalisation envoyé à plusieurs administrations. C'est l'une des réactions des autorités après l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris il y a 2 jours. Le syndicat Alternatif Police CFDT l'a déclaré ce matin sur France Info. Selon son secrétaire général, des dizaines de policiers sont radicalisés. L'écœurement des professeurs du collège Marie Curie au Lila en Seine-Saint-Denis. Encore un mineur tué avant-hier, poignardé lors d'une rixe entre des bandes rivales. Est-ce qu'on ne peut pas éviter ça? Demande Laurent Roux, membre du SNES sur France Bleu Paris. 3 jeunes sont toujours en garde à vue ce midi. L'incertitude demeure à Rouen. 10 jours après l'incendie de l'usine Lubrizol, on ne connaît ni la quantité de produits incendiés ni leur type. Selon l'association Robin des Bois, ce matin, une entreprise mitoyenne a révélé que plus de 9000 tonnes de produits ont aussi été partiellement brûlées dans ces entrepôts. La population hongkongaise est effrayée, selon la chef de l'exécutif. Carrie Lam condamne les émeutiers. Hong Kong a connu une nuit de violence entre policiers et militants pro-démocratie. Et aujourd'hui, les militants défient de nouveau les autorités. Des centaines de personnes manifestent avec un masque sur le visage, chose pourtant interdite. La 9e journée de Ligue 1 de football continue. Le PSG reçoit Angers à partir de 17h30. Kylian Mbappé ne jouera toujours pas. L'attaquant continue de se soigner. France Info. Et tout est plus clair.